Yeah. I don't really think I have to introduce you, Max, do I? But I'll try. I'm happy for anything. My fellow Austrian, Max, the guy who's trying to beat Facebook. Poking him a little bit. pardon my French. Okay. How long have we been at it now? Ok, est-ce qu'il faut vraiment présenter Max Schrems, mon ami autrichien, l'homme qui veut battre Facebook? Ça fait combien de temps? 7 ans. 7 ans. Waouh, ça fait longtemps. Ouais, ça fait un moment. Vous savez tous ce que ça veut dire? Non? Quelqu'un ici ne sait pas ce que ça veut dire? Waouh. Impressionnant. Ou peut-être qu'ils ne veulent juste pas lever la main. Mais on a eu 3 procédures légales. La première pendant 3 ans en Irlande, qu'on a annulée puisque l'autorité de protection des données ne voulait pas vraiment faire ça. Ensuite, il y a eu le cas du Safe Harbor dont je vais parler aujourd'hui, qui a commencé en 2013. Donc ça, c'est un procès qui est toujours devant les tribunaux. C'est allé jusqu'à la Cour européenne de justice et c'est revenu ensuite en bas au Luxembourg. Et maintenant, c'est à nouveau dans la Cour européenne de justice, donc c'est un vrai ping-pong. Et en même temps, on a une class action. Donc ça, on attend une décision de la Cour européenne de justice pour voir si on peut avoir des cas de vie privée par des class action. Donc, on fait pas mal de choses, pas mal d'actions différentes et on verra ce qui marche. Est-ce que c'est pas génial quand il y a des amis qui font le boulot pour vous? Alors, un tonnerre d'applaudissements pour Max Schrems qui vous apporte le Privacy Shield, un cache-misère. Ok, merci beaucoup pour cette invitation. Désolé pour les traducteurs parce que je parle très vite. Donc peut-être que ça sera un petit peu dur de comprendre. Les gens n'arrêtent pas de me dire de ralentir, mais bon, on n'a que quelques minutes du coup, et beaucoup de choses à couvrir. Du coup, ok, on est parti. Donc on m'a demandé de parler de Privacy Shield. Donc moi, j'appelle ça un cache-misère parce que c'est la même chose que l'accord Safe Harbor. Donc repartons un peu en arrière et voyons ça. Qu'est-ce que c'était Safe Harbor et c'était quoi l'histoire derrière ça? Donc, on a eu les slides que Snowden a publiés sur tous les systèmes de surveillance qui ont révélé qu'il y a des grandes entreprises d'informatique qui font partie d'un programme qu'on appelle PRISM, qui est un système de surveillance américain. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue légal, il y a un gros problème là-dedans. Parce que bon, pendant tout un moment, on pensait que ça, c'était des théories du complot. Et c'était très dur à prouver devant un tribunal. Et si on va devant un tribunal, il faut vraiment prouver les choses de façon très solide. Et du coup, on n'avait pas vraiment moyen de faire une action. C'était du peut-être, du on pense que. Du coup, ça ne marchait pas. Ce qui était très bien avec les fuites de Snowden, c'est que nous, ça nous a apporté des vraies preuves, des vraies choses qu'on pouvait montrer à un tribunal. Et c'est l'unique raison pour laquelle toutes ces affaires ont pu éclater. C'est grâce à Snowden. Merci, Snowden. Et ça, c'était le côté un peu factuel. On savait que ces entreprises transmettaient des données au gouvernement américain. Et ce qui était intéressant d'un point de vue légal, c'est comment est-ce que ça fonctionne aux États-Unis, légalement parlant. Donc, il y a bien sûr tout un tas de lois aux États-Unis. Donc, je vais résumer ça de façon très rapide. Ce n'est pas 100% précis, mais ça donnera une vue d'ensemble. Donc, ce que ça dit, c'est qu'on doit avoir un fournisseur de services de communication électronique. Donc, ça, c'est Google, Facebook, etc. Ce qui est intéressant, c'est que les lois de surveillance ne s'appliquent pas aux entreprises normales. Par exemple, une compagnie aérienne ou une boutique ou autre chose. Ça s'applique qu'aux fournisseurs de services de communication électronique. Ça s'applique s'ils possèdent ce qu'on appelle de l'information d'intelligence étrangère. Ça, c'est une définition assez large, mais c'est tout ce dont les États-Unis se préoccupent pour des raisons diplomatiques ou militaires ou autres. Donc, tout ce qui est en rapport avec de l'espionnage, ce genre de choses.
Et tout ce dont vous avez besoin, selon la loi FISA, en plus de tout ce qui est au-dessus de cette ligne, c'est public, tout ce qui est en dessous, c'est secret. Dans la loi FISA, il y a une certification qui est valide pour un an. Ce qu'on dit dans la loi, c'est qu'il y a un tribunal qui est impliqué, donc voilà, c'est certifié. En réalité, ce qui se passe, c'est que ce tribunal, le tribunal de la FISA, certifie le programme entièrement pendant un an. Et il ne regarde pas en détail chaque cas ou chaque individu qui va être surveillé. Non, il certifie le programme entier pour un an. Donc, il y a toute une idée qui est la minimisation ou le ciblage qui sert à filtrer les personnes américaines, donc les citoyens ou résidents américains. Par contre, si vous êtes européen ou si vous vivez ailleurs qu'aux États-Unis, vous n'êtes pas une personne américaine et du coup, vous n'êtes pas exclu de ça. La raison pour ça, c'est parce que le 4e amendement de la Constitution américaine dit que les personnes américaines ne peuvent pas être ciblées par ça. Ce serait anticonstitutionnel de cibler les citoyens américains avec ce genre de procédure. Mais comme ici, ils ne ciblent que des étrangers, c'est OK, c'est légal. Quand vous êtes étranger, vous n'avez pas de protection sous la Constitution américaine. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les directives pour les fournisseurs de services. La loi ne dit pas explicitement ce que c'est et comment ça marche, mais ce que ça dit en gros, c'est que les fournisseurs de services doivent avoir une interface technique qui permet de récupérer les données. Donc ça, c'est l'ordre qu'on donne aux fournisseurs de services. Ça, c'est pas fait par le tribunal, c'est fait par le gouvernement américain, la branche exécutive, et le tribunal se contente de certifier le programme une fois par an. Donc si moi, je suis le petit smiley ici, et je suis un utilisateur Facebook, j'ai un contrat avec Facebook Island, mais mes données vont directement sur le serveur de Facebook Inc., la maison mère américaine, et il y a deux façons qu'on connaît par lesquelles les données sont utilisées par le gouvernement américain. La première, c'est quand les données sont récupérées upstream, donc sur les câbles réseau, et la deuxième, c'est avec la coopération des fournisseurs de services. Donc, par exemple, ici, si les données sont chiffrées sur le réseau, les données peuvent être récupérées depuis les serveurs. Les deux options fonctionnent selon FISA, et récupérer les données sur le câble, ça peut aussi venir de la directive 12.333, qui est une directive sur les écoutes. Mais voilà, ça c'est le cadre légal dans lequel ces surveillances se font. Donc, on a une paire de choses qui sont un petit peu en débat ou qu'on ne sait pas exactement. L'implémentation technique, comment est-ce que ça marche, le volume de données qui est récupéré et quel mécanisme existe pour contrôler tout ça. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'indices, mais on n'a rien de très solide. Donc ça, c'est globalement ce que Snowden a révélé. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est les réactions qu'on a eues à ça. On a eu des manifestations, on a eu des résolutions du Parlement européen, la Commission européenne a fait une revue complète, Angela Merkel était très énervé à propos de son téléphone. Voilà, ça c'est la réaction qu'on a eue. Et nous, quand on a vu ça, on s'est dit, c'est pas ça qui va aller très loin. Comment est-ce qu'on peut en faire un cas légal de ça? Donc le premier cas qu'on a eu, c'était la première action justice qu'on a eue, c'était le Safe Harbor Case. Et ça, on a eu une approche qui était stratégiquement assez intéressante. Si vous voulez apporter un cas comme ça devant les tribunaux, il faut être stratégique. Vous devez trouver un endroit où vous pouvez entrer, où vous pouvez taper, sans avoir des centaines d'avocats qui vont vous crier dessus. Il fallait qu'on trouve le point précis où on pouvait faire pression. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une situation ici, un cas où c'était des partenariats de surveillance entre le public et le privé. Les acteurs privés récupèrent les données et les pouvoirs publics les récupèrent. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. L'autre chose intéressante, c'est que Facebook, dans notre cas, était sujette à la loi américaine et aussi en Irlande. 84% de leurs utilisateurs sont sujets à l'agrément avec Facebook Irlande. Donc on peut dire que c'est 84% d'entreprises européennes. Mais en même temps, c'est une entreprise américaine, donc c'est aussi sujet à la loi américaine. Et le troisième point, c'est que la loi européenne régule comment les données peuvent être transférées hors de l'Europe. Il y a un contrôle de l'export des données personnelles. Ça régule qu'est-ce qu'on peut transmettre à l'étranger. Et enfin, la loi européenne doit être interprétée au jour de la Convention européenne des droits de l'homme. Et en mettant toutes ces choses-là ensemble, ce cas pouvait être présenté devant les tribunaux. On avait un cas solide. Ce qui était intéressant, c'est que la définition dans la loi européenne sont très larges. Par exemple, on dit des choses comme traiter des données. Et simplement mettre des données disponibles, c'est une forme de
de traitement des données. Donc, moi, dans ce procès, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas de question de « est-ce que j'étais surveillé par la NSA ?» Il fallait juste dire que Facebook rendait ses données disponibles pour la NSA aux États-Unis, ce qui était, selon notre interprétation, contraire à la loi européenne. Parce que on n'a pas besoin, du coup, d'avoir à prouver est-ce que la NSA a surveillé les données d'un individu en particulier. On a juste besoin de dire que, comme la loi européenne est très large, on a besoin de prouver uniquement que les données sont mises à disposition. Ça, c'est la différence par rapport à la loi américaine dans laquelle il faut prouver que les données ont été utilisées et non pas simplement mises à disposition. Donc, cette définition plus large en Europe nous a permis, nous, d'amener cette affaire devant les tribunaux. Donc, ce qu'on a pu faire ici, c'est comparer le programme PRISM à du stockage de la rétention de données. Forcément, c'est vu que la rétention de données, si elle était illégale en Europe, forcément PRISM était au moins aussi illégale. Et ensuite, on a d'autres comparaisons qui intéressaient la Cour de justice que j'ai listées ici. Une chose très importante à comprendre ici, quand on parle de ces transferts de données, c'est qu'on a, à un niveau très très méta, on a un conflit entre les lois ici. La loi européenne dit qu'il faut de la vie privée sur les serveurs Facebook. Là, je simplifie beaucoup. Hein. Et la loi, je simplifie encore, dit qu'on doit avoir de la surveillance sur ces données. Et ça, c'est un conflit fondamental dans toutes ces affaires. On a un conflit de juridiction. Il y a un pays qui dit à Facebook, il faut qu'on puisse surveiller les données, et il y a un autre pays qui dit à Facebook, non, tu ne peux pas faire ça. Et du coup, on a ici forcément un conflit qui est difficile à résoudre. Ça, c'est très différent de ce qu'on a dans le secteur privé. Dans le secteur privé, il n'y a pas vraiment de loi de protection des données aux États-Unis. Et puisqu'il n'y a pas de processus pour ça, les entreprises aux États-Unis pouvaient se certifier elles-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on doit séparer le côté privé, ça on peut le résoudre facilement, et le côté public, où c'est de la surveillance par les pouvoirs publics, qui est beaucoup plus dur à résoudre, puisque ça c'est vraiment les lois américaines qui l'imposent. Donc à quoi ressemble l'agrément légal ici? L'agrément légal dit, si moi je donne mes données à Facebook, les données ne peuvent quitter l'Europe que s'il y a une protection adéquate dans le pays tiers, en l'occurrence ici les États-Unis. Donc pour moi c'était assez facile, parce que tout ce que j'avais à dire c'était que la surveillance de masse n'est pas une protection adéquate. Point. Alors, au niveau de la procédure, comment ça s'est passé? Avec Safe Harbor, on pouvait aller voir un service d'arbitration privé qui s'appelle Trustee, et on pouvait déposer une plainte auprès d'eux. Alors, c'était un peu problématique parce qu'on ne pouvait écrire que 250 caractères pour se plaindre. Tout ce que je pouvais dire, c'était arrêter Facebook, il collabore avec Prism. Donc, Trustee m'a répondu qu'il n'avait pas d'autorité pour faire ça, puisque bien sûr, en tant qu'entreprise privée, il ne peut pas dire à la NSA quoi faire. Donc, la prochaine chose que j'ai fait, c'est aller voir l'autorité de protection de la vie privée en Irlande. Donc ça, c'est mon slide préféré. Ça, c'est une vraie photo de leur bureau. Alors, au rez-de-chaussée, on peut voir il y a un supermarché et il y a quelques fenêtres au-dessus. Ça, c'est l'autorité de protection de la vie privée en Irlande. Mais voilà, à l'époque, ça, c'était leur bureau. Donc, à l'époque, Billy Hawks, qui était leur directeur, lui, il allait sur des shows à la radio et il disait « Je ne pense pas que ce sera une vraie surprise pour les gens d'entendre que les autorités américaines peuvent accéder à des données stockées par des entreprises américaines. » Alors moi, ça me choquait énormément parce que effectivement, c'est quelque chose d'évident, mais il était, lui, en train de dire publiquement « On sait que toutes ces choses sont vraies. » En tant qu'autorité, en tant que président de l'autorité de régulation de la vie privée, de surprotection de la vie privée en Irlande. En Allemagne, on a eu un cas similaire, mais bon, là-bas, il avait plus de réserves, alors que lui, il a été quand même assez stupide pour dire, oui, on sait qu'il y a ce problème, et en plus, légalement, on ne pense pas qu'il y ait que ce soit un souci. Donc nous, on est allé à la plus haute autorité de justice en Irlande, on a amené notre affaire là-bas, et ce qui s'est passé, c'est qu'en Irlande, ils ont dit, ouais, c'est OK, on approuve, et ils ont passé le dossier à la Cour européenne de justice. Ça, c'est la Cour la plus haute dans l'Union européenne. Et puis, parce que c'était un accord européen, Safe Harbor, il fallait que ça aille au niveau européen, à la Cour européenne de justice. Donc, le déroulement de l'affaire devant les tribunaux, c'était quelque chose de très intéressant, puisque nous, ce qui était intéressant, c'était de voir à quel était le niveau de détail des juges qui devaient juger cette affaire. Parce qu'en général, les juges n'ont pas forcément une connaissance très pointue du sujet. Mais dans ce cas précis, on était vraiment très, très heureux de voir à quel point le juge connaissait le sujet. Petite anecdote qui est amusante, la veille du procès, il y avait des gens qui
m'envoyait des textos de plusieurs pays et qui me disaient « Devine qui vient de m'appeler ?» Moi, je disais « Je ne sais pas. » Et eux me disaient « Ah, c'est quelqu'un du gouvernement américain qui vient de m'appeler et qui m'a dit qu'on devrait changer notre point de vue parce que les États membres donnent leur avis sur ces affaires et les États-Unis faisaient pression sur ces États membres pour qu'ils changent leur opinion. Mais bon, c'était déjà trop tard, c'était la veille, les opinions étaient déjà enregistrées. Donc, et moi, pareil, quelqu'un m'a approché, m'a demandé qui c'est. Ah oui, c'est moi qui apporte l'affaire devant les tribunaux. Ravi de vous rencontrer. Et j'ai pu lui poser la question, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir des numéros de téléphone de gens appelés pour pouvoir leur dire quoi dire devant le tribunal? Donc ce qui est amusant, c'est que moi je pouvais le faire en tant qu'étudiant, parce que j'avais pas grand chose à perdre, et sa réponse c'était, on avait quand même besoin d'être sûr que notre point de vue serait entendu, mais qu'eux n'avaient entendu parler de cette affaire que le vendredi, et ensuite c'était le week-end, et ensuite il y avait le lundi, et que l'affaire s'ouvrait devant les tribunaux le mardi. Donc eux, ils n'avaient pas le temps. Ce qui est amusant, c'est quand même que ça faisait des semaines que cette affaire avait été publiée sur la page de la Cour européenne de justice, et malgré tout leur système de surveillance, ils ne pouvaient pas trouver quand est-ce que des affaires s'ouvraient devant les tribunaux. Donc ça, c'était rigolo. Et quelque chose de très amusant qui s'est passé devant la Cour européenne de justice, c'est que ça a pris seulement deux semaines après que l'avis de l'avocat général des États-Unis ait été publié, il y a eu le jugement qui a été rendu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avions entendu dire qu'il y aurait un jugement qui serait le 6 octobre. Et nous, on se disait, mais c'est fou, c'est pas possible, l'avocat général donne son avis et c'est que deux semaines après. Donc ça, c'est beaucoup trop court. Et la rumeur disait que l'ancien président de la Cour de justice, qui allait prendre sa retraite le 7 octobre, donc un jour après, voulait absolument que le jugement soit rendu avant sa retraite, comme son cadeau d'adieu. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que, a priori, les juges s'attachent beaucoup à certaines affaires, et des affaires qui peuvent durer très longtemps. Donc c'était intéressant pour nous de voir ça. Alors qu'est-ce que la Cour européenne de justice a dit? Déjà, c'était un jugement très très important. Il y avait deux choses dedans. La première, c'était que la surveillance de masse, ça viole l'essence du 7e article de la Constitution européenne, et que le manque de moyens de sortir de ça viole l'article 47. Lui. Donc, pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est quelque chose de très intéressant parce que moi, je suis avocat, et dans la loi européenne, il y a un test de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on regarde est-ce que la mesure est proportionnelle aux besoins. Donc, si on a, par exemple, de la rétention de données, ce sera peut-être pas très proportionnel. Mais on peut avoir ce qu'on appelle des violations de l'essence même. Et ça, ça veut dire, mais il n'y a aucun moyen qu'on puisse justifier une mesure comme ça. Même si vous pouvez sauver des millions de personnes de la mort avec ça, ce n'est pas acceptable de même parler de faire des mesures comme ça. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que la surveillance de ce genre, c'était la violation de l'essence même des droits fondamentaux à la vie privée. Et donc, c'était quelque chose d'extrêmement fort. Donc, pour moi, c'était évident. Mais de voir ça venir de la Cour européenne de justice, tout le monde lit ça. Et quelque part, il y a un avocat qui va dire « Waouh, on a eu l'essence même !» Et alors là, c'était l'éruption de joie, forcément, pour nous, parce que c'était quelque chose d'extrêmement impressionnant. Bon, je sais que pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, en tant qu'avocat, c'est incroyable. Bon, ce qui était dit, c'était que le pays tiers, en l'occurrence les États-Unis, devait avoir une protection globalement équivalente. Ce qui est intéressant, c'est que la loi dit uniquement une protection adéquate et pas une protection équivalente. Et adéquat, ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup de sens. Tout et n'importe quoi peut être considéré comme adéquat. Donc, dans la loi avant, à la base, ça disait équivalent. Et ensuite, dans les années 90, les lobbies ont fait en sorte que ce soit remplacé par adéquat. Et ce que la Cour a dit, c'est que, OK, on va reprendre un terme qui a du sens, et ils ont remis ça à équivalent par la jurisprudence. Ils ont aussi dit qu'il fallait qu'il y ait des mécanismes de détection et de supervision qui marchent, et il fallait qu'il y ait un droit au recours, comme dans l'article 47. Donc, ce qui est intéressant, c'est aucun des pays qui fait de la surveillance dans l'Union européenne a des protections comme ça. Donc, c'est aller très, très loin. Par exemple, si je suis citoyen autrichien et je suis surveillé par les services allemands, il n'y a rien en Allemagne
n'y a aucune cour à laquelle je peux faire un recours. Donc comment est-ce que ça marche? Les pays européens ont un droit d'exception là-dedans pour la sécurité nationale. Donc si c'est au nom de la sécurité nationale, ces choses-là ne s'appliquent pas. Donc les États membres ne sont pas sujets à ça, mais la Cour européenne de justice, elle, peut quand même prendre des décisions quant à la sécurité nationale d'autres pays, puisque eux n'ont pas cette exception, mais pas des États membres. Donc c'est une situation qui est complètement absurde, mais c'est quand même pour ça que voilà, la France, l'Allemagne, eux peuvent faire tout ça sans avoir de problème. Je vais y revenir, et Brexit résout ce problème-là pour le Royaume-Uni, donc, puisque bien sûr maintenant ce sera un pays tiers, donc on pourra apporter ce genre de procès aussi à propos du Royaume-Uni. Donc ça c'était tout le cadre que je voulais dire. On doit quand même dire les côtés positifs de Brexit. Donc voilà, maintenant je vais parler de ce que j'appelle Safe Harbor 2.0. C'est Privacy Shield, mais je l'appelle Safe Harbor 2.0 parce que c'est essentiellement le même texte. Donc, ce qui s'est passé quand Safe Harbor a été annulé, d'abord, c'est qu'il y avait les entreprises qui avaient le statut privilégié qui permettait de transférer des données ont perdu ce statut. Alors, il y avait quand même des possibilités pour transférer des données aux États-Unis. Il y avait le moyen, le consentement des Américains, le consentement des personnes ou l'exécution d'un contrat. Tout ça, ça rendait possible de faire ce genre de choses. Donc il y avait quand même des mécanismes différents. Donc Facebook a parlé aux autorité de protection des données. Et on a un cas maintenant où l'autorité de protection de la vie privée a fait un procès à Facebook et à moi à propos des clauses dans les contrats. On a 45 000 pages de documents, on a eu 20 avocats ou 20 solliciteurs qui ont fait partie de ça. On estime que le coût de cette bataille juridique, c'est pas moi qui l'ai commencé, hein, c'est l'autorité de protection de la vie privée en Irlande. Et bon, tout ce coût, le coût de ça, on l'estime à 5 à 10 millions. Et en plus, tout ça, ça va forcément devoir aller à la Cour européenne de justice. C'est la deuxième fois que ça va y aller. Je ne peux pas beaucoup en parler. C'est Facebook qui a lancé cette affaire. Mais bon, ils se sont bien plantés. Ils avaient tous ces experts. Ils avaient des tonnes de pages. Et il suffisait de regarder ce qu'il y avait en pied de page et vous dites tel truc est dans le pied de page, mais ça n'y est pas, vous avez juste inventé ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils avaient des avocats extrêmement bien payés qui n'ont rien vérifié du tout. Donc, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils pensent qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Mais bien sûr, le juge n'a pas laissé passer ça. Donc, la Cour a dit que ce jugement qu'on a eu la première fois, donc ça, c'est quelque chose qui est déjà réglé, donc je peux en parler. Mais ça dit qu'il y a eu du traitement des données indiscriminé de masse par le gouvernement américain et qu'on dise que c'est de masse ou que c'est ciblé, c'est un traitement de masse. Donc voilà, ça c'était un petit aparté. J'en reviens à Privacy Shield. Comment est-ce que ça marche, ça? Alors, il faut regarder d'abord l'histoire de Privacy Shield pour voir pourquoi c'est complètement n'importe quoi. Le 31 janvier 2016, petit conte de fées, il était une fois, il y avait une échéance par les autorités de protection de la vie privée européenne. Et à ce moment-là, il y a eu des rapports qui disaient que les États-Unis et l'Europe n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Moi, j'ai parlé du coup au journaliste qui disait ça, lui me disait qu'il avait de très bonnes sources. Et le 31 décembre, les deux parties s'étaient levées de la table, avaient dit « on ne peut pas se mettre d'accord, il n'y a pas d'agrément possible ». 48 heures plus tard, il y a eu a priori un coup de téléphone entre la Commission européenne et le gouvernement américain et quelqu'un a dit il faut que le président de la Commission européenne fasse qu'il y ait quelque chose. Et donc ce même reporter, 48 heures plus tard, dit ça y est, on a un accord. On ne connaissait pas encore le nom. Et 24 heures plus tard, il y avait ce logo et on appelait ça le Privacy Shield. Et donc moi je parlais au négociateur et je disais, mais comment est-ce que vous avez trouvé ce nom de merde? Et il me disait, je ne connaissais pas le nom jusqu'à ce qu'il y ait cette conférence de presse parce que cet accord n'existait pas. À ce moment-là, c'était uniquement un logo et un nom et il n'y avait pas de vrai accord. Ça on le sait parce qu'une semaine plus tard, l'ONG sur la vie privée américaine a demandé d'avoir le texte intégral de cet accord.
puisque c'est, la loi permet de faire ça. Et ils ont eu cette réponse qui disait que ce n'était pas possible d'avoir ce texte puisque les données n'existaient pas. Alors, un mois plus tard, on avait le texte, et ce texte, c'est globalement, c'est Safe Harbor à nouveau. C'est une copie presque identique. Si on faisait une comparaison exacte, il y aurait peut-être 5% du texte qui a changé. Tout le reste, c'est la même chose. Ils ont mis un nouveau nom là-dessus, et ils ont appelé ça Privacy Shield. C'est pour ça que moi, j'appelle ça un cache-misère. C'est quoi le problème avec Privacy Shield? Déjà, si ça retourne devant la Cour européenne de justice, donc pour moi, le cache-misère devant le tribunal, comment est-ce que ça va se passer? Alors, d'après le jugement qui existe de la Cour européenne de justice, il va y avoir deux problèmes. Le premier problème, c'est cette notion d'équivalence qui s'applique dans le secteur privé. Et le deuxième, c'est que ça doit obéir à la Charte des droits fondamentaux. Et il a été dit que la surveillance de masse n'obéit pas à ces restrictions. Donc, il y a deux choses ici. Dans le secteur privé, il y a ce qu'on appelle notice and choice. On donne notice à la personne et la personne choisit si elle veut oui ou non. De façon très simple, à gauche, on a tous ces traitements de données qui sont couverts par la loi européenne, de la création à la suppression, à l'effacement des données. Tout ce qu'on fait avec les données est couvert par la loi. Dans Privacy Shield, on a besoin uniquement d'avoir un moyen de dire « non, je ne veux pas », uniquement pour la publication des données à quelqu'un d'autre ou si on change le but de la manipulation des données. Donc, si on regarde ces deux choses, on peut voir que c'est absolument pas équivalent. C'est absolument minimal au côté américain par rapport à la loi européenne. Donc, si on collecte des données, si on les utilise, si on les stocke, Privacy Shield n'a aucune restriction là-dessus. Vous pouvez faire tout ça comme vous voulez. Il y a uniquement à partir du moment où vous publiez ces données à une tierce partie ou vous changez la raison pour laquelle vous avez ces données, là, il faut que vous ayez une boîte. Et c'est quelque chose où il faut activement que l'utilisateur aille dire « non, je ne veux pas ». Par défaut, vous pouvez assumer que l'utilisateur est d'accord. Donc, on peut utiliser, pour éviter d'avoir changé le but, on peut simplement dire « on va l'utiliser pour tout ce qu'on veut ». Et si on a une clause dans le contrat qui dit qu'on peut transmettre ça à des parties tierces, ça vous donne automatiquement, de façon légale, sous Privacy Shield, le droit de faire tout ce que vous voulez avec les données. Il n'y a aucune restriction. Ça, c'est quelque chose qui est impensable sous la loi européenne. L'autre chose qui manque et qui est dans le secteur privé, c'est le droit de recours. Et ça, c'est facile de voir comment ça ne va pas marcher en pratique. Parce que imaginez que je veux avoir mes données depuis Facebook pour la 24e fois. Donc moi, j'écris à Facebook, je leur demande toutes mes données. Et moi, ils m'envoient une jolie lettre pour dire « va te faire foutre ». C'est ce qu'ils font d'habitude. Donc ensuite, moi, je vais voir Trusty, la compagnie, l'entreprise d'arbitration. Eux, ils sont payés par Facebook pour prendre ces décisions, mais officiellement, ils sont indépendants. Donc moi, je peux me plaindre auprès d'eux. Et si eux me disent d'aller me faire foutre, il n'y a absolument rien pour le forcer. Si Trusty dit à Facebook qu'il doit faire les choses, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un email à Facebook pour dire arrête de refuser les demandes. Mais Facebook n'a rien à faire de ça, il n'y a aucune obligation. Si Facebook ne me dit pas aussi ce qui est sur le serveur, je ne peux pas me plaindre. Si je ne suis pas content d'avoir ça, je peux aller voir les agences de protection de la vie privée en Europe. Et eux vont se plaindre auprès du Department of Commerce aux États-Unis qui n'a pas de pouvoir d'investigation. Donc, eux ne peuvent pas vérifier si Facebook a bien donné les données qu'ils avaient sur moi, puisque aucune de ces entités ne peut forcer Facebook à montrer ce qu'ils ont comme données sur moi. Si c'est l'autorité irlandaise, il faut d'abord que je leur fasse un procès pour les forcer à faire leur boulot. Et toutes ces entités peuvent aussi voir la Federal Trade Commission, l'autorité notre autorité du commerce aux États-Unis, qui n'a pas non plus de pouvoir d'investigation, mais un peu plus quand même que ça. Mais ils ont déjà dit que ils ne le feront pas s'ils n'aiment pas ce que je demande. Et jusqu'à présent, ils n'aiment pas ce que je demande. Donc tout ça, ça ne m'aide pas du tout parce que ça ne va nulle part. Et en plus de tout ça, il faut que je fasse toutes ces choses-là avant de pouvoir faire un appel auprès de ce qu'on appelle le panel de Privacy Shield. Ça va être 10-15 avocats. Et eux, je peux les appeler sur Skype, en vidéoconférence, et je peux leur parler pour dire ce qui m'inquiète dans
au niveau vie privée, c'est ça. Et leur décision n'oblige même pas Facebook de façon légale. Et tout ça, pour que ça oblige Facebook, il faut que leur décision soit utilisée comme pour informer une décision de justice aux États-Unis. Et ça, enfin, ça obligera Facebook à donner mes données. Donc, tout ce système va en plus être impossible puisque Privacy Shield est tellement large que Facebook ne viole probablement pas Privacy Shield selon ces termes. Un autre aspect dans le secteur privé, il y a la question de libre compétition. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment suivi d'après les règles européennes. Et ça, c'est quelque chose que toutes nos entreprises ici en Europe doivent suivre, mais que les entreprises américaines n'ont pas à suivre. La chose la plus importante ici, c'est toute la question de la surveillance. La Commission européenne a fait une analyse très intéressante de ça. Ils ont fait une conférence de presse dans laquelle ils ont dit « Les autorités américaines nous ont assuré qu'il n'y a pas de surveillance indiscriminée ou de masse par les autorités américaines. » Donc nous, on sait qu'on est tranquille, c'est bon. Ceci dit, si on regarde dans Privacy Shield, dans l'annexe 6, page 4, il y a cet extrait qui dit qu'il est possible de faire de la surveillance de masse pour 6 raisons possibles. Donc dans la conférence de presse, ils ont dit qu'il n'y avait aucune raison de le faire, mais dans l'annexe 6, page 4 de l'accord en lui-même, il est dit que c'est possible pour 6 raisons différentes. Et ces 6 raisons qui sont très larges. Par exemple, la dernière, c'est pour combattre les crimes internationaux. Donc il suffit qu'il y ait, et même les menaces de crimes internationaux. Donc il suffit qu'il y ait la menace d'un Mexicain qui va peut-être jeter des drogues par-dessus la frontière américaine. C'est une menace de crime international, et ça suffit pour surveiller toutes les données qu'on veut. Donc c'est quelque chose d'extrêmement large. Alors, voici les règles pour la surveillance de masse. Et le mot « de masse », il y a une petite marque en bas de page, donc les avocats adorent ça, donc on suit cette marque en bas de page. Et ça dit que ces limitations n'ont cours que si les données ne sont pas acquises temporairement pour ensuite faciliter le ciblage pour de la surveillance. Donc, ça c'est pour dire, si je récupère absolument toutes les données, en gros, d'abord, et ensuite j'utilise ces données pour décider qui je vais surveiller, ce n'est pas de la surveillance de masse. Donc ça c'est intéressant parce que la définition américaine est différente. Aux États-Unis, il y a cette idée que si vous avez votre navigateur et que vous tapez juste une adresse dedans, vous n'avez de toute évidence accès qu'à une page à la fois. Votre navigateur ne nous donne pas accès à Internet en gros, mais uniquement à une page à la fois. Et donc, ce n'est pas de la collection en gros, c'est de la collection d'une page à la fois. Ça, c'est l'argument qu'ils ont fait qui n'a aucun sens, mais pour eux, ça leur permet de sortir entièrement de tout ça. Donc, il est bien sûr impossible que les États-Unis et l'Union européenne disent ça publiquement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont envoyé une lettre qui a été ajoutée à la décision. Et ça veut dire que les autorités européennes ont demandé à un gouvernement étranger d'écrire une lettre pour dire « oui, c'est très très bien », et ils ont attaché ça. Imaginez si on faisait ça avec la Chine, si on demandait à l'Union européenne de dire, si l'Union européenne demandait à la Chine de dire que vraiment leurs protections des droits de l'homme sont géniales et qu'on disait c'est ok, les protections des droits de l'homme sont géniales en Chine parce que la Chine a dit que c'était le cas. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'ils ont essayé de contourner ces problèmes. Donc, un autre problème dont je veux parler, c'est que on ne peut pas se plaindre à une personne de contact au ministère des Affaires étrangères américain. Et ça on ne peut pas leur parler directement. Ça passe à travers les agences de protection de la vie privée. Et ça, c'est l'unique moyen de recours qu'il y a dans Privacy Shield, qui est décrit dans Privacy Shield. Et on ne peut recevoir qu'une seule réponse, quel que soit le cas. La première, c'est que d'abord, ça a été sous-investigué et qu'ils vous diront que soit l'entreprise respecte la loi, soit ils changeront leur comportement. Ils ne vous disent pas si c'est l'un ou l'autre. Ils ne vous disent pas s'ils respectaient la loi ou s'ils vont changer leur gouvernement. Et ça vous dit aussi qu'il n'y aura aucune confirmation ou déni qu'il y avait de la surveillance. Et ça, c'est la seule chose que vous pouvez obtenir de cet unique recours qui existe dans Privacy Shield. Donc, je vais passer ça. Snowden n'était pas du tout content à propos de ça. Vous pouvez lire sur Twitter vous-même. La dernière chose dont je veux parler, c'est comment est-ce qu'on peut tuer Privacy Shield. Parce que si quelqu'un dans cette pièce veut tuer Privacy Shield, c'est assez facile et j'encourage tout le monde ici à le faire. Ce que vous pouvez faire, c'est lancer une injonction contre votre fournisseur de services auprès d'une cour européenne.
européenne locale en disant que Privacy Shield est invalide et vous pouvez demander une référence. La cour locale va devoir avoir une référence pour envoyer ça à la Cour européenne de justice. Je recommande de vous intéresser aux questions commerciales, c'est plus facile que les questions de surveillance. Et ensuite, vous n'avez rien à faire, vous pouvez juste vous asseoir et attendre. Si vous voulez faire ça, moi je vous assiste sans problème, je serai ravi de le faire. Et donc, je vais passer à la toute dernière partie. Parce que, là, on va parler de la surveillance européenne, mais j'en ai déjà parlé. Il y a probablement un moyen pour que ces cours disent qu'il n'y a pas de juridiction pour la surveillance de masse par la Cour de justice au Luxembourg, mais c'est possible probablement d'apporter ces mêmes affaires devant des cours nationales. On a déjà eu un cas comme ça dans lequel on a commencé à décider. Ça a été décidé. Donc pour la surveillance européenne, ce même genre de processus peut marcher, mais il faudra qu'on aille devant un tribunal différent. Je dois quand même faire une pub. On a commencé une nouvelle ONG pour promouvoir la vie privée. Donc, on essaye en ce moment d'obtenir des moyens. Parce que pour pouvoir mener ces affaires, on a besoin d'avoir une équipe au niveau européen qui fait des trucs comme ça. Nous, on travaille avec le secteur commercial, on travaille avec les ONG qui existent déjà. Mais notre but à nous, c'est de faire des choses vraiment au niveau européen. Là, je suis à court de temps, donc quelque chose, j'ai fait ça très vite. Et pour des questions, désolé, j'ai plus de temps. Désolé. Thank you. Okay, thank you, Max. Okay, merci Max, merci beaucoup.